Coucou tout le monde, c'est une nouvelle journée qui commence et j'ai pas mal de choses à faire, alors je vous montre ça. Alors comme vous avez pu le voir hier, attendez, je vais vous montrer un truc rigolo. Hop, ça c'est ce qui se passe quand vos branchements sont trop courts. Je voulais regarder une petite série en peignant hier avec la tablette qui est ici. Et en fait le câble était vraiment trop court, alors du coup j'ai utilisé une de mes toiles pour faire un montage pas très stable. Voilà, et du coup j'en profite pour vous montrer un petit peu mon bureau. J'ai commencé une petite peinture, voilà, ça c'est un tableau pour le projet d'oracle sur lequel je travaille avec Sylvie, et je suis en train de travailler aussi sur cette peinture là sur les animaux domestiques. Pareil pour le projet, en fait on a les animaux domestiques et les animaux sauvages. Voilà, donc c'est ce sur quoi j'ai commencé à travailler hier. Aujourd'hui on est mercredi, donc ma fille n'a école que le matin, donc je sais pas un petit peu si je vais pouvoir le continuer cet après-midi. Et vous m'avez vu aussi travailler sur le tapis de tirage. Alors est-ce que je l'ai encore là sur mon ordinateur, hein, sur le tapis de tirage pour le tarot renard. Et vous avez vu, j'hésite entre plusieurs couleurs, parce qu'au final le tarot renard, j'avais fait du doré sur non, j'avais fait une couleur un peu orange sur du noir, et en réalité en fait c'est un jeu qui est quand même très très lumineux puisqu'il est quand même sur fond blanc aussi, vous pouvez le voir ici. J'ai travaillé aussi sur des pins. Ah, c'est un petit peu petit là, vous allez rien voir du tout. Voilà, sur deux modèles de pins, alors je vous les montre rapidement, hop. Voilà, c'est quand même plus sympa de vous parler en direct plutôt que derrière la caméra. Voilà, donc je vous ai montré en fait, sur Instagram le tapis que je voulais faire, et je voudrais faire un pochon également pour le tarot renard. Et c'était un tapis en fait avec des motifs orange sur un fond noir, donc c'était très joli, ça faisait vraiment ressortir le motif orange. Et il y a une personne qui m'a envoyé un message sur Instagram, je lui ai fait un petit coucou si elle passe par là, et j'ai trouvé sa réflexion vraiment très intéressante et je m'en étais pas rendu compte. Elle m'a dit, le orange sur fond noir, en plus avec la disposition des renards, ça fait trop penser à l'oracle des reflets. Je m'en étais absolument pas rendu compte, mais c'est tout à fait vrai, puisque vous savez, l'oracle des reflets, hein, je ne l'ai pas à côté de moi, si je l'ai ici, hop, je vais vous le montrer. Voilà, l'oracle des reflets, vous avez comme motif un cercle avec les poissons qui se tournent autour, comme ça. Donc c'est sur fond noir, c'est un travail en sépia et noir, et doré, bien sûr, voilà. Et en réalité, le dos des cartes du tarot renard, ce sont, j'ai repris les renards de la carte de la roue de fortune, où les renards en fait se tournent autour. Donc ils sont dans la même position finalement que les poissons de l'oracle des reflets, avec une étoile au centre pour le dos, pas pour la carte, Et voilà. Pour la carte de la roue de la fortune, je vais y arriver. Pour la carte de la roue de la fortune, c'est un sablier qu'il y a autour en fait, avec des étoiles et avec un soleil d'un côté, enfin c'est un petit peu, c'est différent. Disons que j'ai repris cette idée d'animaux qui se tournent autour, et je m'en étais tellement pas rendu compte que quand elle me l'a dit, j'ai été surprise, je me suis dit, ah bon, c'est comme l'oracle des reflets. Et je me suis dit, oui, tiens, c'est drôle, je tourne un petit peu autour du même truc. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, après tout, c'est peut-être ma marque de fabrique aussi. Jusqu'à présent, j'avais pas vraiment de marque de fabrique estampillée. Je me dis qu'après tout, bon, ben voilà, c'est un petit peu l'ambiance que je donne à mes jeux. Voilà, j'aime bien les animaux, et c'est vrai que je reprends toujours, il y a beaucoup de renards dans mes jeux, il y a beaucoup de poissons. Également dans mes jeux, j'aime beaucoup travailler sur cet univers aquatique avec les poissons. Et il y a cette figure qui revient sans arrêt aussi du cercle. Il y a beaucoup beaucoup de cercles, on le voit dans l'oracle des reflets, cette ambiance très cercle, cyclique aussi qui revient. C'est quelque chose qui me plaît et c'est quelque chose que j'ai repris aussi pour le tapis de tirage, puisqu'il y a quelque chose de rond également dans le tapis de tirage qui part du centre et puis qui explose un petit peu sur l'extérieur. Je m'en suis rendu compte du coup parce que je me suis un petit peu remise, pas en question, mais ça m'a fait travailler.
Je me rends compte également que pour message de ton corps, message de ton cœur et message de ton âme qui vont arriver, c'est des jeux qui vont compléter le jeu message de ton âme qu'on a fait avec Charlotte. Et c'est vrai que dans ces jeux, il y a quelque chose de très géométrique et très rond également qui apparaît. Alors soit géométrique avec des triangles, avec des formes un petit peu plus épurées comme ça. Et il y a aussi beaucoup, beaucoup de ronds, beaucoup de choses enveloppantes. Alors je crois que moi j'adore les choses enveloppantes. Et d'ailleurs, en vous en parlant, ma fille maman m'appelle maman cocooning, parce que j'arrête pas de dire cocooning, cocon, cocooning, sans arrêt. Alors, elle m'appelle comme ça, maman cocooning. Donc je crois que oui, il y a quelque chose de l'ordre de l'enveloppement, de la douceur, de la rondeur, du cocon qui est très présente dans mon travail. Voilà. Donc, pour en revenir à ce que je vous disais, parce que quand même, j'étais en train de vous parler de ça. Par rapport au tapis de tirage, comme vous avez pu le voir, les cartes sont sur fond blanc. Donc je pense que je vais peut-être passer le tapis de tirage en fait avec cette couleur orangée, mais sur fond blanc. Ou alors j'ai fait un test aussi sur fond violet, c'est hyper joli, sur fond rose, rose foncé un petit peu, c'est très très joli aussi. Donc là, je suis en train un petit peu de réfléchir aux bonnes couleurs pour le tapis de tirage et du coup pour la pochette également. Voilà, orange et blanc pourraient être très jolis parce que ça ferait vraiment écho au jeu. Après, du blanc, vous allez en retrouver également pour le Lily White. Hein. Le noir, vous allez le retrouver pour le Lily Black. C'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup, travailler soit sur fond blanc, soit sur fond noir. Donc voilà, j'en suis là de ces réflexions et c'est là-dessus que je vais vous laisser. Peut-être que j'aurai ma réponse dans le prochain vlog que je vous partagerai bien sûr. Et puis en attendant, bah au boulot. Voilà. Allez, c'est parti!